Ah bâtard, faut juste lui tirer une flèche. Faut attendre que ça rouge. Il faut anticiper là où il va aller et tout. Il est rouge, enculé. On la mange. Oui! Oui! J'ai réussi! Comment je chute? Zelda! Je t'ai sauvé! Merci Link, tu es le héros d'Hyrule. On va voir. Qu'est-ce qu'il manque? Juste le tonnerre. C'est tout. Et le jeu veut faire des chichis, je sais pas. On va voir. C'est pas grave, écoute, hein. Le jeu, ça me donne même pas, il a été compliqué de base, donc normal. De toute façon, même le boss final a pas l'air ouf en plus, hein. C'est juste d'esquiver ses boules et tu l'encules. Pas de galon, ça. Ouais, c'est dommage que ça gonfle vraiment. Hein. Vraiment. Je passais du jeu en français à jeu anglais. Oh! Contre... Link sombre, Dark Link. Faut jouer avec le timing. Toi t'as pas bougé, t'attends que ça approche. Je tire en bas. Technique, technique. Allez. Et Tommy contre Darkling quand même. Ah bim. Bim. Tempo. Bim. Bim, bim! Jouez ça! Et galon? C'est faux, c'est faux, c'est faux! Ça peut pas être fini comme ça. De me donner la Triforce maintenant. Ça peut pas être fini comme ça. Ah si? Ah si. Pour ressusciter Zelda. Ok. C'est quoi, c'est la Triforce qui était éparpillée un peu partout? Je pouvais pas te rêver avant, connasse. Tu as sauvé Hyrule. Et tu es le vrai héros. Et tu es un vrai héros. Parti!
n'aurais pas pensé qu'un Sénégalais qu'on puisse me causer autant de problèmes. Je ne peux pas croire que vous ayez vaincu par deux fois mon alter ego. C'est une sombre sorcier. Je ne vous donnerai jamais la Triforce. Je veux vous détruire pour réaliser sans tarder mon rêve de conquête du monde, des ténèbres et de la lumière. Ce qui m'enlève. J'ai raté là. Débrouillé pas mal, mais saurez-vous traverser cette technique secrète et des ténèbres en garde. Ah, c'est là qu'il faut utiliser le bâton magique. Attends, je sais plus, attends. Ah, c'est ça. Hein. Ah, il faut juste rallumer la lumière et le frapper derrière, ok. Merde, ça a pas frappé. Normalement, je peux le frapper deux fois. Puis la lumière s'éteint. Non, parce que je sais pas si. Ah, quand il est bleu, je dois le prendre un coup de flèche. Putain, il est en plein milieu, mais n'importe quoi. J'ai gagné.
Ok, ça va. Je me rappelais pas, mon... la dernière, le dernier souvenir que j'ai de ce boss, c'est qu'il était extrêmement dur parce que je me rappelais plus ce qu'il fallait faire. Bienvenue Link, je suis l'essence de la Triforce. Attends, de toute façon c'est en revoyant... Attends, je crois que les deux phases après c'est les... c'est l'épée. Pour le Ganon machin là, je vois pas. Non, ça par contre c'est bien qu'on puisse recharger la sauvegarde. Là, on a même plus une jauge de magie, on a... Les gars. Mais hein, c'est pas pris. 3 et Ah oui, c'est les... Oui, la boule. Ok. Ah putain, j'étais pas prêt. J'étais beaucoup trop prêt justement. Deux. C'est 4 fois là. Trois. Ah, non, là, on envoie le truc bleu. On n'en a même pas. Oh putain, ça s'est envoyé vite celle-là. C'est le truc bleu, non? En plus, il est con parce qu'il se met bien dans les coins en plus. Il est très con le boss. Ah, c'est bon. Ok, là alors c'est le Ganon. Ah non, là c'est la chenille. Ok, là c'est la chenille là. Oh, non. Non. Ok, faut toujours se mettre dans son dos. En fait, faut toujours se mettre dans son dos. Ok, là c'est le fake Ganon. Ouais, mais lui, attends, mais. Attends, je vais tester. Non, mais j'ai pas le temps si je fais ça. J'ai pas le temps. J'ai pas de marmite là. Mais j'ai pas le temps en fait. Elle prend tout l'écran ça truc. Look, il se met en plein dessus ce connard. Essaye de faire comme ça. Mais tu peux pas, mais... En fait, le temps qui t'envoie le truc, que tu vas sur lui, tu ne peux pas. T'as pas le temps, en fait, parce qu'il reprend son truc, et du coup, t'as pas le temps. Et son truc, il prend tout l'écran. Moi, je peux les éviter comme ça, ça va. Est-ce que je peux l'éviter comme ça, ce truc? La soluce pour lui, c'est sûr. Oh. Attends, fais voir. Objet, arme ou objet nécessaire. Plume de roc et épée. Ok. Technique, éviter la les chauves-souris enflammées, puis son arme qu'il vous lance. Chargez votre épée, puis sautez pour le frapper au niveau de sa tête. Mais non, mais c'est ce que j'étais en train de faire, mais... Mais gros, c'est ce que j'étais en train de faire, mais pas pour un coup, quoi. Je peux pas l'éviter son arme. Mais ils sont complètement cons. J'ai pas le temps de charger le temps que...
Oh, ok, je l'ai touché. Ok, j'ai touché. J'ai le temps, en fait, il faut que j'aille là où il se déplace. Que c'est là, dans ça. Ah mais en fait c'est con parce qu'il se déplace toujours à l'opposé de moi, mais en fait c'est très marrant ça. Bon, c'est pas mal été d'avoir reproduit le fake Ganon qu'il y a dans A Link to the Past. Pas mal. Voilà, tu vois, il va toujours à l'opposé de là où je vais. La RNG elle est plus du cul en fait. La RNG elle pue la merde. Je vais là-bas, il va aller sur ma gauche, par hasard. Y'a pas genre il va à un espace, un endroit ou quoi, non c'est... Tu vois? Je serai à la droite, il sera à la gauche. La RNG est plus du cul. Oui, j'ai vu son truc et c'est bon. Ah mais gros, tu me prends pour un con quoi. Tu me prends pour un con hein. Ok, je l'ai touché. Mais limite, je sacrifie des cœurs parce qu'une fois que je suis devant lui, il reprend sa truc, sauf que il tourbillonne encore. Je me la prends, dégage-toi. En fait, s'il la lance là, il va aller sur la droite, la gauche. Tu vois? Il va toujours. Il va pas dans les coins là où il y a sa truc. Genre, si je me mets là. Il va aller sur la droite. Ah là. C'est la crème chef. Ah c'est bon, j'ai compris son déplacement et son pattern. Là, il va aller sur la gauche. Ouais bon. Ok, je l'ai eu. Je l'ai visé. Bon alors, Oh, c'est pas celui. Attends, me touche pas. Ok, non, non, attends. Non, c'est pas... Je prends les flèches, pour. Non, c'est pas les flèches. Ah non, mais j'ai... Ah, ça me saoule. C'est les flèches. Ok. T'es dans ta mère. T'es dans ta mère. Ok, c'est un biscuit. Hop là. J'ai besoin de deux frappes. C'est tué. Qu'est-ce que... C'est quoi ce truc? Ok, allez vas-y vous volez. Ouvre ta mère. Ouvre, tiens ta mère. Attends, je vais reprendre l'autre fait. Moi je suis sûr d'être tranquille. Donc là. 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 Mais vas-y, c'est quoi ça? La phase la plus nulle. Ah bah oui. Ça me rappelle comme de... un boss dans Kirby. Le 2, le jeu était excellent, mais le boss au final était dégueu. Il était complètement nul. On est pas mère. C'est vraiment le boss final ça. La musique qui colle pas du tout. La musique elle colle pas du tout avec. Ça ouvrir son nez. Ah, est-ce que c'est fini là? Alors cette île va disparaître. Notre monde va disparaître. Notre monde. Okay. Voyou, tu as vaincu Magnifico. À présent, monte les escaliers. Il m'appelle voyou parce que j'ai volé l'arc à 900 et quelques rubis, c'est bâtard.
Ok. Ah, c'est fini le jeu? Elle est où Zelda là? Elle est où? Attends, montre toi, vas-y la tortue là. Attends, sauvegarde. Hop, hop. Et que l'ouvre l'œil. Sauvegarde parce que je lui ai mis là les dégâts. Et que ça commence direct et te fonce dessus. Ça te ralentit le coup de l'abeille là. Vas-y, Ruby, frère, je fasse pas avec les Ruby. Oui, mais le, la sauvegarde, ça, je m'en bats les couilles. Hop. Voilà. Okay. Pas de cœur, il me fout. Ok. Attends, tortue. Tortue, elle est facile, ça va. On m'a touché. Attends, comment ça se pète ce truc? Attends, attends, sauvegarde. Balek. Hop. C'est bon, je sais pas. Oh! Ok, les bombes. On a les bombes, ok. On a les endroits. Enculé. Tortue, tortue, tortue. On va réutiliser ça. Je te baise. Il est trop tard. Je devais détruire le courant du temps pour engloutir l'humanité par la douleur. Le désespoir s'est envolé à travers le pays. À travers ce pays. La flambée de désolation. Ah, je l'ai battu. Ok. Link! Que se passe-t-il à l'intérieur? Link, tu vas bien? C'est fantastique. Tu as vraiment vaincu Véron. Bon travail, Link. T'es génial, hein? La reine en bif, elle t'a vu. Et elle s'est enfuie. Allons-y. Il faut du temps un peu pour comprendre les patterns. Hein. Ok, allez. Parti. Bon, allez, on se ressaisit, on se ressaisit. Ok. Ok, sauvegarde. Hop là. Trop tard, Link, Zelda, le sacrifice pour pouvoir bientôt. Non, c'est pas ça que je voulais prendre, c'est ça pour éviter sa boucle. Mais c'est quoi qui me touche? Attends, mais je me reçois des dégâts de je sais pas quoi quand il tape le mur. Ok. La première phase, elle est facile. Oh putain, j'aime pas quand il sort ces tornades de merde. Casse la tête avec ces tornades à la con. Là. Oh là là, dégage. Thank you.
Peut-être qu'il me retire Zelda. Quand je retire Zelda, il faut vite que je switch sur ça. Putain, je l'ai touché. Ah mais j'ai battu, ça y est. On a fini. Wesh, wesh. Ok, sauf ouais, dans 6 heures. Non, normalement il me reste un coup, normalement. Normalement il devrait me rester un coup sur lui. Normalement ça devrait être la fin là, normalement. Oula, oula! Sauvegarde! Sauvegarde! Bon, tu vas mourir un peu, oui! Non mais gros, mais il meurt quand, en fait? Mais arrête de rêver, gros! Tu connais rien aux Zelda pour dire que celui-là, c'est Zelda le plus simple! Ah, va dormir, gros! Ah ouais, mais... Va dormir! Ah, va dormir! C'est l'heure de dormir pour toi, je crois! Ah ouais, pour dire celui-là, c'est Zelda le plus simple, mais va dormir! Eh Béo! Wesh! Wesh! Enfin! Merci les sauvegardes! Merci les sauvegardes! Eh, j'aurais pas eu les sauvegardes, je serais dans une merde! J'aurais ragé, mais... Voilà quoi. Vraiment, je peux faire un live complet juste pour essayer de battre le boss. Hein. Ouais, le pouvoir de destruction... Et imagine, là, il y a une autre phase. Avec un quart de cœur, bordel de merde. C'est un délire, hein. C'est un délire. Non mais il est affreux ce jeu, il est affreux. Je ferai une tier list. Ok, on est arrivé. Est-ce qu'ils vont mettre la chenille? Vaati, le sorcier. Attends. Ah, je dois attendre qu'elle pète. Je dois attendre qu'elle lui pète. Ça va se jouer au timing encore là. Putain de merde. Ok. Mais non, nique-toi. Mais les hitbox, elles sont claquées aussi. Et 2-3. Plus la merde cet endroit. Hein. Ok. Ok, bien. Elle est là-dedans. Mais nique-toi.
Non, dommage. Pas passé, Brian. C'est fini? Non. La sauvegarde, bien sûr. Mais non, c'est pas fini. Van Ganondorf. Incroyable, tu as vaincu Vachi, le mage du vent. Mais non, c'est pas fini, heureusement. C'est trop rapide, c'est... Oh putain, il nous faut une Oracle of Age. Faut vite s'enfuir à la tombée du château. C'est bien, tu veux parler, toi aussi. Ah. Comment les ténèbres plus noires que la nuit de la terre noire? Ce n'est pas le mage du vent, peu importe. Je dois user de mon pouvoir pour l'enfermer. Je ne peux plus résister, mes forces m'abandonnent. J'étouffe, je meurs. J'ai juste besoin d'un peu plus de force. Plus. Et les filles sont où? Assez. La princesse Dirul et ses pouvoirs ne sont que poussière. Zelda, moi, Ganon, je t'enferme pour toujours. Oh Ganon. Je sauvegarde. Voilà. Oh, 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 misérable incompétent. Je te prends pour un héros alors que tu n'es que poussière. Même si vous m'attaquez en force, toi et les tiens, je vous embrocherai avec mon trident. Tout ce temps que vous êtes. Moi je me bats comme ça moi. Les boxes, hein. Arrête de dash, enculé! Putain. Ah, mais il vient sur moi en même temps, je me prends des dégâts automatiquement là. Tout ce que je lui mets, il meurt pas, genre. Putain, il nous jette, il est sur moi le truc. Regarde, il apparaît sur moi. Non, tu veux que je l'esquive ça? Thank you.
Bientôt mort, et bientôt mort. Zelda, faut réagir. Ok, on va essayer comme ça. Ok, on l'a eu. Bouffe Ganon. Mais sale gueule. Place l'épée des 4 au-dessus de ta tête. Qu'as-tu fait? Je suis le roi des ténèbres. Je ne vais pas me laisser faire par un misérable insecte. Il va le sceller dans l'épée. Alors, soit il a scellé, soit il a désintégré. Un des deux. Écoute, tu nous as protégés, tu as défendu Hyrule. Nous nous battons ensemble pour être encore plus forts. Nous ne ferons qu'un comme toi et tes semblables. Bon, l'épée des 4. Place l'épée qui a enfermé les ténèbres sur le piédestal. Moi, je me trouve plongé dans les ténèbres à la fois l'ombre et la lumière. Usurpateur. Bon, comment on se bat contre lui? L'attraper. J'ai pas compris. Hein. Oh, tiens, t'as de vraiment. Faites chaque endroit, vu qu'il me met dans les endroits que j'ai combattu les premiers temps et tout. Chaque objet que j'ai eu, faudra s'en servir contre lui en fait, si je comprends bien. Et mes lignes, sors de là. Tous les temples. Voilà, c'est le temple de feu. J'avais utilisé quoi pour ce temple là? C'était les bottes.
Mais c'est trop loin. Je vais utiliser les boîtes, mais... C'est à chaque fois en plus. Pas besoin de bottes pratiquement. Ok, troisième. Donc en gros il y a 6 à 7 patterns différentes. Ok, là c'est le grappin que j'ai, mais je vais devoir mettre à toute mesure. C'est bien parce qu'il te montre ça et il te montre est-ce que tu as suivi le jeu, est-ce que je te rappelle ce que tu as fait. Ah, trop loin, sérieux. Quatrième phase. Là c'était le boomerang. Attends. Ouais, là c'était le boomerang. Ouais. Il est complètement débile ce boss. Hein. La musique elle est débile aussi. Autant que le boss. Voilà, c'était le gros machin. Ah, bâtard. Eh oui, Medink. Un peu petit. C'est bien parce qu'il me remet les cœurs. Aïe, ça va. Arrête de fuir, fils de pute. C'est quoi, il me bat comme un homme.
Ok, phase suivante. Alors là, je sais pas c'est quoi. Merde. Mais non, mais... Débile. Mais wesh. Ces téléportations de merde là. Et c'est ça le seigneur du mal ou je sais pas quoi, il sait pas se battre. En plus on reparlera dans les commentaires. Vas-y, vas-y. Oh, elle a retrouvé sa vraie forme. Elle va. Gueule. Faut qu'il ose vous dresser contre le roi de la lumière et de l'ombre. Cette enveloppe corporelle me servira à vous faire comprendre ma puissance. Ok. Comment on se bat? Comment on se bat? Au ping-pong. Pour les flèches. Alors, c'est pas vrai. Je t'attends prêt, toi. Faut faire quoi là dès qu'il a... Attends, dès qu'il est sous anesthésie là, faut faire quoi là? Y a bien un truc. Peut-être ça, non? Bah, je vais essayer de lui balancer une flèche juste derrière. Peut-être ça lui fait juste des dégâts ça. Envoie la boule, envoie la boule.
Ah merde. Ok, bah lui faire ça. Je pensais qu'il fallait le faire un truc dans les airs. Le Ganon originel. C'est même pas le lock. Les vieilles strates de Midona. Faut rester appuyé. Bah ouais, faut pas spam comme un chien, faut rester appuyé. Bah ouais. Le jeu qui t'apprend de pas spam. Ok. Ouais, c'est nombreux à sa chambre. Bah ouais. Mais ils sont même pas sur moi en plus, mais c'est un délire. Mais c'est un truc de fou. Là, Zelda, genre, tu peux pas tirer là, par exemple. Tu vois, tu peux pas. Là, ouais. Allez. Bien joué, ça. Epona, allez. Eh ben, oh, Epona, elle est endormie. Je sais pas ce qui se passe avec le jeu, mais ils sont endormis, les personnages. C'est un truc de fou. J'ai beau... Je sais pas. Je sais pas si le fait que le jeu était sur Wii, que ça a été un remake, nanana... Endormi le truc. Ta grosse tête, Ganondorf. Tu es à droit. Ce n'est pas suffisant. Il est temps d'assouvir ce désir qui brûle en moi. Utiliser cette épée odieuse. Ouais, mais laisse-moi lire en fait. Ok, bon, comment on se bat contre lui maintenant?
Seigneur du mal. Je balaye. Merci la cam qui... ah ouais, la caméra qui a tout niqué. On a niqué mon coup. Et bim! Allez, ça dégage! On a appris de nos erreurs, mais on a réussi. Bon, tu vas me rendre ma Master Sword, s'il te plaît. Je pense pas que tout se finisse ici et maintenant. Vois cela comme le début de l'histoire de la lumière et des ténèbres, une histoire écrite dans le sang. Il doit craquer le coup à distance.